Samedi 15 mars avait lieu à la salle des fêtes le grand concert de printemps d'arpèges par l'orchestre d'harmonie de Saint-Laurent-Blangy et l'orchestre des jeunes de l'école municipale. Cette année, l'orchestre invité était l'harmonie de Marquion. Le concert de printemps à Saint-Laurent ? Alors le concert de printemps, je pense qu'il est né un petit peu avec mon arrivée en 93, puisqu'avant cette prestation-là n'existait pas. Donc il y avait un concert de Sainte-Cécile, il y avait un concert à la Ducasse, bien sûr, apéritif concert qui était programmé tous les ans. Mais le concert de printemps, c'est une chose qu'on a innovée. Harmonie de Saint-Laurent regroupe combien de personnes ? Alors l'harmonie de Saint-Laurent regroupe à peu près 80 personnes. Hein. Bien sûr, c'est très difficile d'avoir toujours un effectif au complet. Bien sûr, c'est toujours un peu fluctuant. Mais on est entre 65 et 80 en permanence. Avec l'harmonie de Saint-Laurent-Blangy, la classe d'orchestre de l'école municipale de musique. Donc vous verrez tous les jeunes qui sont à l'école de musique qui vont se produire également en orchestre. Et pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une classe de musique ? Alors une classe d'orchestre, en fait, c'est un endroit où on apprend à jouer ensemble. L'école de musique, il y a donc des cours avec des spécialistes où on apprend la flûte, la clarinette, le piano, la guitare, etc. Et puis donc on se regroupe le samedi après-midi et on essaye de faire de la musique d'ensemble, la musique d'orchestre, ce qui est un apprentissage qui se fait à longueur d'année et donc j'en ai la direction. Et ça regroupe des personnes de quel âge à quel âge ? Alors il y a des tout petits, forcément il y a des gens qui ont à partir de un an et demi d'instruments. Et bien sûr, il y a aussi des adultes qui viennent se joindre, qui sont des adultes débutants. Donc on apprend bien sûr à jouer ensemble, c'est le but des choses. S'apprêter maintenant Old in Tune. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais de la thune, moi je sais ce que c'est. La classe orchestre. Classe d'orchestre. Alors quel effet ça fait de jouer comme ça devant plein de monde ? Bah c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre harmonie ? Bah écoutez, c'est une harmonie très jeune. Elle a été fondée en 1990 par Madame Potel, qui est toujours la présidente actuelle. Et moi j'en assure la direction depuis septembre 2001. Combien de musiciens dans votre orchestre ? Alors actuellement nous sommes 27 musiciens. Petite formation comparée à celle de Saint-Laurent-Blangy.